Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui lui a donné, à tout ce que tu lui as donné. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Oyo. Mais ceci, c'est la prière de la protection pour l'Église. C'est les bons délits pour n'accompagner la maya lingomba. Moni banda verset 1. Vous voyez à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. C'est lui qui est en train de prier en faveur de toutes les personnes que Dieu lui a données. Amen. C'est la prière de Jésus. Ezali bondeli a Yesu. Pour toi. Pona yo. Et pour moi. Pe ponanga. C'est la prière de Jésus. Ezali bondeli a Yesu. Pour l'église. Pona lingomba. Amen. Ngana zana fongola. Moi j'ai la clé. Yo fozana na foi. Toi tu dois avoir la foi. Qu'est-ce que Jésus disait? Yesu za kolobani. Ta foi. Kondi manayo. Ta sauvé. Ne bikisi. Est-ce qu'il disait ma foi? Est-ce que za koloba kondi mananga? Ta foi. Kondi manayo. Il faut avoir la foi. Et singelo za na kondi ma. Ta foi est déterminée. Dieu va faire. Et il va le faire. Ça dure ou pas. Il va le faire. Il viendra. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Jésus. Alléluia. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a le béni. Que dit Jésus? Na singuyote. Je ne te prie pas de les ôter du monde. De les ôter, de les enlever du monde. Je ne t'en prie pas na bonne liote de les tuer. Obo mabango. Tchoko. Il nous protégera. Akobate la biso. Il nous protégera. Akobate la biso. Il nous protégera. Il y a certains combats qui nous arrivent. Si Dieu ne t'a pas gardé, tu ne pourras même pas te relever. Et on va même t'amener jusqu'à la mort, tu ne seras même pas conscient. Toi, tu sais que tu dormais depuis que tu dormais, mais tu es déjà à la morgue. Voilà. Garde-nous de ces choses, de tout mal. J'aimerais dire à quelqu'un ici, celui qui te protège, il est vivant. Ton défenseur, il te garde. De tout ce qui se passe dans le monde, il te garde là. Ton défenseur, il est vivant. Alléluia. Les personnes qui ont ciblé ta vie, pour eux, ils ont déjà arrêté la mort. À une certaine date précise. Mais cette date-là est déjà passée. Ils ont mis une deuxième date. C'est passé. Ils ont préparé une troisième. C'est passé. Ils disent, mais comment on n'arrive pas à tout à saisir cette personne? Protection suprême. Tu es sous la protection suprême.